voyez derrière moi, ça peut être tenir la caisse, ça peut être mettre en rayon, accueillir les gens qui viennent faire leurs courses ou les nouveaux membres, les curieux qui viennent découvrir le projet, réceptionner les commandes en dehors des horaires d'ouverture. Le concept, c'est un supermarché qui est détenu par ses membres. Donc c'est de créer une coopérative de consommateurs. Donc seuls les membres peuvent consommer dans ce supermarché. Chacun des membres donne de son temps, 3 heures par mois pour être précise, pour faire fonctionner la boutique. Ce qui permet donc d'économiser sur les frais de fonctionnement et du coup proposer des produits à des prix un peu plus accessibles que ce qu'on peut trouver ailleurs sur des produits comparables. Et l'idée à terme, progressivement, c'est de proposer des produits les plus diversifiés possibles pour toucher un maximum de monde, de toute catégorie, tout âge, toute culture. Voilà. On a vraiment envie d'arriver à ça, mais ça se fera progressivement, c'est clair. On s'est fixé début 2020. Ça peut être avant si on a une opportunité d'un local, parce qu'on va chercher un local beaucoup plus grand. Hein. Là, on est vraiment dans une phase intermédiaire, mais ça peut être un peu après si on met plus de temps à mobiliser du monde. L'avenir nous le dira. Donc moi, je vais venir samedi matin. Là, je me suis formé à la caisse et donc faire la mise en rayon, etc. Bah, les prix, j'ai pas encore beaucoup de repères. Par rapport à du bio, ça me semble à peu près dans les normes, quoi. Ce qui m'intéresse davantage, c'est l'aspect coopératif, participation, etc.